fabulous job of promoting excellence in CO2 reductions. Comme vous venez de le rappeler très très bien vous-même dans ce forum, il convient pour les autorités publiques, comme d'ailleurs pour les opérateurs économiques du monde des transports, de veiller à ce que cet important privilège ne soit pas à bouger, à circuler, ne soit pas acquis aux dépens de l'environnement et du climat. Et je salue votre campagne et votre volonté de rendre plus vert le transport par autocar ou par autobus. J'ai parlé tout à l'heure de la question des aires de stationnement pour les autocars, des incitants financiers, peut-être des subventions ou des soutiens particuliers. C'est pas juste que l'avion et le secteur aérien, que ce soit pour les aéroports ou pour les taxes sur le fuel, etc., et les avantages qui sont que seul l'avion peut avoir. Et donc je pense qu'on doit rééquilibrer les modes de transport et l'autocar doit recevoir plus de soutien. C'est ça le but, c'est faire diminuer la route, la voiture individuelle d'un côté, pour faire gagner le transport collectif. C'est là que si on double le nombre de personnes, il faut aller chercher ces gens dans les voitures. Souvent, quand on parle de mode de transport, on parle du train, on parle de l'avion, on parle de la voiture et de la voie d'eau, mais on dit jamais, on parle jamais d'autocar. Donc ça, ce serait déjà un grand progrès que ça fasse partie du paquet des solutions qu'il faut soutenir.